Bienvenue les amis pour ce nouveau live. Bonsoir. Ouais non mais les problèmes informatiques c'est complètement catastrophique. Salut Eddy, salut Slook, salut Bouluga, salut Enzo, salut Inger First, salut Bouluga, je dis salut Letty, salut Maxime. Ça y est vous commencez. Voilà. En fait j'ai eu une petite panne juste pour que vous puissiez vous activer un petit peu sur. Sur le chat. Bonsoir Logan, bienvenue à tous. Oui en fait voilà, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu tout simplement j'ai acheté une barre de son. J'ai fait une affaire de ouf au solde, je vous le dis pas, puisque j'ai eu une barre de son à 175 balles au lieu de 400 balles. Elle était à plus de 58%, un truc comme ça, donc coup de fusil. Coup de fusil. Et donc du coup je l'ai reçu cet après-midi, mais le temps de l'installer en tout, j'avais besoin d'un câble HDMI qui soit assez long, parce qu'en fait dans mon salon j'ai tout reconfiguré pour pas qu'on voit les câbles, etc. Je vous raconte ma vie, voilà, c'est 36-15. La semaine dernière c'était psychologue, cette semaine c'est racontage de vie. Et donc du coup le truc c'est que je voulais pas qu'on voit les câbles, etc. Et en fait il y avait un câble HDMI qui était trop court, et donc du coup en fait il était juste la taille parfaite, mais du coup entre mon meuble et le bas de ma télé tu le voyais passer et ça me stressait. Du coup en fait j'ai pris le câble HDMI que j'utilisais pour le splitter, enfin un des câbles HDMI, parce que rien que là il y en a 1 2 3 4 5, j'ai 5 câbles HDMI là pour ma config PC. Et donc du coup j'ai pris un qui était hyper long, que je m'en servais pas parce que là c'est des petits câbles HDMI qu'il me faut parce que tout est à côté. Et donc voilà. Et faudra que tu nous montes la barre de son sur ton making of. Eh bah oui c'est vrai, j'ai complètement oublié de faire le déballage, etc. Mais on fera ça. Et donc du coup là en fait j'avais réinstallé un câble HDMI qui finalement n'était pas bon, un trop vieux câble HDMI, parce que pareil j'ai en fait chez moi j'ai un placard où dedans il y a toutes les manettes. Manette PS4, PS3, Super NES, enfin, c'est une boîte entière de manettes. Une boîte de câbles, avec des câbles HD, des câbles Ethernet, des câbles USB-C, USB-A, enfin bref, gros bordel tout ça. Un carton où tout simplement j'ai aussi plein d'alimentation des vieilles consoles, etc. Et donc là cet après-midi j'ai cherché et j'ai compté, je crois que chez moi j'ai plus de 25 câbles HDMI. 25 câbles HDMI. Du coup, voilà, mais en fait j'ai dû réinstaller un qui était trop vieux.
Parce qu'il y a vraiment des câbles qui sont vieux, qui datent de la PS3, quoi. Donc ça devait être un ancien, et donc c'est pour ça que ça marchait pas, mais là ça remarche, tout va bien, donc on va pouvoir streamer ce soir. Faudra que tu nous montes la barre de son dans le making of, même filmer quand tu vas faire les courses. Ah bah pas de chance, je fais pas mes courses, je vais tout le temps au drive. Donc je me suis déjà filmé aller en allant au drive, mais vous avez pas de chance parce que du coup je ne fais pas mes courses. Je ne supporte pas faire mes courses, je trouve ça chiant, perte de temps avec des gens hyper aigris. De toute façon j'en parle dans le making of en disant pourquoi je fais pas mes courses. Donc voilà, là ça fait au moins une semaine que je me suis pas filmé pour le making of. Bon vous verrez pourquoi, mais voilà, vous vous inquiétez pas. En train de commander au drive. Oh là là, putain, vous l'aimez. Mais je fais la même chose que vous en fait. Hein. Vous allez voir qu'en fait, ma vie dans ce vlog d'un mois, c'est comme vous. Je vais. Voilà, je. Quand tu te douches, ouais, bien sûr. Et ça va être diffusé sur YouTube, hein, pas sur un autre site pour adultes. Hein. Du coup voilà, en tout cas salut les Mewinch. Coucou Chris, merci de faire des streams sur d'autres jeux, je t'avoue je suis pas fan de GTRP. Ah non mais de toute façon on l'a dit, hein, je veux pas faire que du GTRP. Hein. Te filmer en train de faire des pattes. Vous verrez bien ce qu'il y aura dans ce making of, dans ce vlog, vous verrez bien. Mais en tout cas oui je l'ai dit, hein, on fait pas que du RP. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai décalé demain. Demain par exemple, ça tombe bien, on va aller voir directement le planning maintenant. Puisque le planning, je vous l'ai dit, il a changé. On devait faire GTA RP demain, c'est décalé parce que justement, je ne veux pas faire plus de 3 fois du RP dans la semaine. Pourquoi ? Pour deux raisons. Je n'ai pas envie de devenir streamer RP à temps plein. Je n'ai pas envie de faire que ça. Comme il n'y a pas tout le monde qui peut suivre les streams et qu'il y en a qui font beaucoup de replay, y en a qui ne peuvent pas. Il faut bien laisser au moins un jour entre pour qu'ils aient le temps de rattraper le live. Et donc comme samedi il y a peut-être la Nocturne Web. Là je dis peut-être parce que vous avez peut-être vu ce qui se passe un petit peu partout. C'est la galère. C'est la galère un petit peu avec les manifestations des agriculteurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais Montélimar semble être le fif, puisqu'ils ont fermé l'autoroute. Donc l'autoroute à Montélimar est bloquée. Ils ont fermé en fait tous les entrées et sorties de Montélimar. C'est-à-dire qu'il y a des barrages. Mes parents ils habitent en Ardèche, c'est à dire que là en fait demain pareil ils racontent Have the Life, mais demain j'ai rendez-vous chez le vétérinaire de Isco, qui donc le rendez-vous il est pris depuis une dizaine de jours, et le problème c'est que yo Moraltron trop cool, ah bah là merci les tracteurs voilà, mais donc du coup comme j'ai rendez-vous au vétérinaire et le vétérinaire d'Isco se trouve en Ardèche, donc il faut que je parte de Montélimar. Donc le problème, c'est que là, je vais aller dormir chez mes parents après le live. En espérant qu'à minuit, ce soit dégagé. Parce qu'apparemment, mes parents m'ont dit qu'eux, ils habitent en Ardèche. Et ils m'ont dit, mais hier soir à 23h30, minuit, on attendait encore que c'était bouché, etc. Donc, on va profiter de ce live en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique. Parce que je ne sais pas comment va se passer ma nuit. Et en fait, voilà, le problème, c'est que demain, je donne-leur des cafés, ils laisseront passer. Ouais, je pense pas que mon petit café... Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc, le problème, c'est que toute l'autoroute est fermée jusqu'à Valence. C'est-à-dire que même à Valence, je peux même pas aller jusqu'à Valence. C'est-à-dire que je peux même pas prendre l'autoroute après Montélimar et tout. Et donc là, j'ai regardé, d'habitude, j'ai 35 minutes pour aller au hub de chez moi. 40 minutes selon par où je passe, selon la circulation. Là, il m'annonce 2 heures. 2 heures et avec des signaux en mode... une estimation. Donc, voilà. Alors après, forcément, les gars du hub m'ont dit « Mais prends le train. » Avec la chance que j'ai dans les transports, parce que à Agen, ils ont balancé des pneus sur les rails des trains. Les trains sont arrêtés. Donc avec la chance que j'ai, soit je prends le train, ça se passe bien, mais je reviens jamais. La route et le train sont bloqués, soit que ça. Denis Machanas, oh putain, Denis Machanas,
What? Ah ouais. Ah ouais, c'est. Ah, j'avais pas entendu ça. Hein. Moi, j'ai vu que c'était la merde vers Montélimar, c'est tout. Hein. Donc. Ouais, non, j'ai pas envie de passer mon dimanche dans le train. Donc, honnêtement, voilà. Si jamais d'ici ce week-end ça s'apaise, voilà. J'ai entendu qu'apparemment demain ils veulent aller assiéger Paris. Allez-y. Allez assiéger Paris, allez bloquer les autoroutes de Paris. Ça me va. Si par contre, malheureusement, c'est toujours la cata samedi, je n'aurai que d'autres choix que de devoir décaler la nocturne au hub. Alors peut-être qu'on fera quand même un petit live le samedi soir. Peut-être, tu vois. Mais il y aura peut-être pas le. Enfin, y aura pas le live au hub, quoi. Mais, ceci dit, cependant, ce ne sera que partie remise. Et on se fera ça en février ou début mars. Voilà. Mais voilà. Donc, vous êtes avertis sur ce qui peut potentiellement se passer ce week-end. Donc voilà, on va croiser les doigts quand même que tout aille bien, que tout aille pour le mieux. Et donc voilà. Sur cela, les amis, nous ce soir, on est sur The Last of Us partie 2 Remastered. Et donc du coup, on va se régaler. Ah, attendez, parce que il y a encore le. Tu feras sur un autre hub. Bah non, parce que malheureusement, le hub, ils sont qu'à Valence pour moi. Ils sont qu'à Valence. Donc, je suis juste en train de regarder sur un truc pour la barre des tâches. Voilà. Voilà. Alors, j'attends juste que le menu se lance. Parce que comme il y en a qui n'ont pas vu. Comme il y en a qui n'ont pas vu le jeu, j'ai pas envie qu'ils voient le menu, etc. J'ai vraiment envie que. Voilà. Donc, on va faire ça pour entendre le petit bruit des vagues. Voilà. C'est apaisant. Mais pourquoi il y a le bruit des vagues? Pourquoi on entend le bruit des vagues? Tac, tac. Et là, je peux aller là. Voilà. Comme ça, personne n'est spoilé. Personne. Alors, pareil, je le rappelle hein, dans le chat. S'il y en a qui sont là, personne ne spoil. Allez, j'essaie de deviner. Est-ce qu'on peut faire rejouer cinématique? Ah merde. La cinématique, on l'avait pas vue du coup. Alors attendez, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais retourner au menu principal. Et au menu principal, normalement, on peut revoir les cinématiques. Peut-être que je vais directement charger. Tac. Si je fais histoire, que je fais chapitre. Voilà. Ah mais attends, non, parce que ça. Non, on va juste revoir la cinématique. Hop là. Voilà, comme ça. Comme ça, vous loupez rien. On est vraiment dans le précédemment, dans le stream de Chris Klippel. Je dois rejouer là. Je me rappelle si je dois jouer à ce moment-là. Je suis un trade si j'ai toujours pas joué à un The Last of Us. Non mais Moral Train, tu peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Il faut que tu les fasses. En plus, le premier est sur PC. Tu joues sur PC, t'as aucune excuse. On s'en est arrêté là, mardi soir. Du coup, enjoy. Hein. Ça commence.
commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Bon ben voilà. En fait, il n'y avait pas grand chose à voir. Donc voilà. Et à partir de là, eh ben on va reprendre. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être au petit soin de ses abonnés? C'est un stream de qualité là, je vous le dis moi. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Là, je vous le dis. Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. C'est la meilleure séquence du jeu. Est-ce que c'est. Alors, qui fait? Un éléphant? Est-ce que c'est. Un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? Fais attention. T'inquiète. Hop. Alors vous vous rappelez que dans le 1, Ellie savait pas nager. Hein. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste! Tu nages de mieux en mieux! N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser l'eau avec le bras entier, bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben, en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé, t'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. On vient d'attaquer Bouluga. Là, c'est juste qu'en fait, c'est ce que tu as loupé. Tu te rappelles mardi soir? Coucou Attila, ça va et toi? Mardi soir, on était en train de Ellie jouer de la guitare dans le théâtre. Et après, on a eu 3 ans plus tôt. Et 2 ans plus tôt. Et on a vu Ellie jeune. Et ben là, c'est juste là. Et là, on vient juste. Ah, mais t'as pas fini la fin de la vidéo la dernière fois? Ah oui, mais fallait rattraper la fin du live. Hein. Comment s'est passé ton bac de français d'ailleurs? Ton bac blanc? On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ah bah à la toute fin. Pas de problème. À la toute fin. On est dans le théâtre. Tu sais, y a Dina qui lui annonce qu'elle est enceinte. Et ils vont dans le théâtre. Et après, Ellie, elle va jouer de la guitare. Et dès qu'elle joue de la guitare, après, il y a un flashback où elle se voit jeune en train de jouer de la guitare. Donc on en est là. Et là, c'est juste... bah t'as juste loupé le début où Joël lui dit, bah on vient d'arriver. Et là, Ellie, elle sait pas ce qu'on va voir. Et moi, je vous ai juste dit, c'est la meilleure séquence du jeu. Est-ce que c'est mon prof d'histoire de 6ème qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Et sa copine, c'est forcément Riley. Tu es énervé pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Je l'ai déjà fait en VO, oui. Que tu m'emmènes? Mais je suis trop attaché aux voix de Adeline Chetaï et de Cyril Monge. Du coup, alors que Ashley Johnson et Troy Baker font de très très bonnes voix aussi, attention. Hein. Mais par contre, la série, je la fais en VO. Une nouvelle paire de baskets? Parce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Moyen le bac. Bon, c'était bac blanc, ça va. C'était le bac blanc. Viens là. Après, si t'as pas eu le temps de tout mettre, ça veut dire qu'au contraire t'avais beaucoup à dire. Donc c'est plutôt bon signe. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin.
Mais bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non. Attends, une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Oh, j'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Avec la musique et tout, oh là là. Des lézards tyrans. Vous allez kiffer. Hein. Si j'avais répondu, j'avais dit qu'on verra ça tous ensemble à la fin de The Last of Us Partie 2. On pourra en débattre. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Et là, ce petit bouquin, on l'a vu au début du jeu dans la maison de Joël. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Là, ça fait bah, 25 ans que c'est l'apocalypse. Waouh, génial. Tu veux l'essayer? Pas du tout. Comme tu veux. Là, ils sont en 2038 ou en 2000 par là. Hein. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait dans le film que j'ai vu. Jurassic Park. Ouais, 25 ans, donc ouais, c'est 2038. Puisque l'apocalypse dans The Last of Us, le jeu, c'est en 2013. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais, mais pas dans le même. Dans la suite. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Ah, t'es malade ou quoi? Le monde perdu, c'est encore mieux. Putain, mais il a des goûts de shot, Joël. Hein. Petite tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Mais non, mais le monde perdu... Je suis bien d'accord que Jurassic Park 3 est moins bien. Je veux bien reconnaître que Jurassic World, toute la trilogie Jurassic World est à chier. Par contre... C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Bah si. Par contre, Jurassic Park 1 et 2, c'est intouchable. Intouchable. Hé, hey, Joël. Ellie. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Le premier Jurassic Park est sorti le jour de ma naissance. En France. Le mercredi 20 octobre 93. Il a encore son chapeau, hein. Allez, je savais bien qu'il y avait un truc là.
Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. La petite référence. Le nom Gallimimus. Eh, c'est j'ai un 193. La poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde. » Professeur Ian Malcolm. C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais, le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois ? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Et le chapeau. Ouais, Sarah était fan. Le chapeau, c'est une méga référence à tous les musées du Texas. Alan Grant. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois ? Ah ben moi, quand j'ai revu Joël, c'était la petite larme, hein. Tu savais qu'il y avait ça ? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes ? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là ? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Hé, hey, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace ? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformés en super mouches ? Quoi ? Non. Y'a quoi par là ? Eh, ne pars pas tout de suite. On n'a pas encore fini d'explorer. Ah ? Bon. D'accord.
génial. Il est où le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Elle a pas encore son tatouage, on voit la morsure. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la lune, alors je dirais que non. C'est combien de fois on est allé sur la Lune? Deux. Six fois. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera sept. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans. Ça sent l'espace et la crasse. Petit drapeau français, bleu, blanc, rouge. Attention à la tête. C'est dingue. Oh. Ok. Wow. Regarde un peu tous ces boutons. Oh, trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. C'est la meilleure scène du jeu, les amis. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh bien, tant mieux.
Oh, les frissons de ouf. D'aller explorer le coin. Ouais, ok. Allez. Et là, c'est le moment de flex. Bon anniversaire, Ellie. C'est la réplique officielle de la cassette qu'offre Joël à Ellie. Donc, voilà. Je peux vous la montrer même en grand plan, si vous voulez. Joyeux anniversaire, Love, Joël. Je l'ai acheté, c'est un créateur américain qui reproduit en fait, donc c'est une vraie cassette. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la bande et tout, hein. C'est une vraie cassette. Et donc voilà. Et non pas du tout, Ellie c'est pas Ashley Johnson. Non. Il faut pas confondre l'actrice qui incarne Ellie et l'actrice qui a servi de modèle à Ellie. Et pour Joël et Ellie, il n'y a pas eu d'acteur spécifique, c'est Naughty Dog qu'ils ont créé en fait. Donc voilà. Je peux pas dire, de souvenir, je crois pas. Dina, c'est Kashina Cordina. Je ne sais. Il y a peut-être, mais en tout cas, ils n'en ont pas donné de. Ils n'ont pas donné de nom de l'actrice qui a potentiellement porté qui a été le modèle d'Ellie. Par contre voilà, on se calme quand même, elle a 14 ans là dans la séquence hein, donc voilà hein. Voilà, sur cela les amis, on continue le périple hein. On continue cette, voilà, pour moi c'est la meilleure scène du jeu. La musique quand ils étaient dans la fusée. Faudra que je la retrouve. Je crois que elle n'est pas officiellement dans la soundtrack. Tu peux la trouver sur YouTube, mais elle n'est pas officiellement dans la soundtrack, je crois. Faudra que j'aille te chercher ça. Bah voilà, pour moi c'est la meilleure séquence du jeu et de franchement top 5 des meilleures séquences de toute l'histoire du jeu vidéo. Quoi. Attends. Par contre, l'actrice qui incarne Ellie, effectivement, c'est Ashley Johnson. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens. Non. J'adorais le. C'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. Ah, il y a du courant. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo. Génial. Ouais, je serais pas confiant non plus d'aller dans cette eau là. Hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Oh, garde le moral, mon vieux.
En voilà un qui en manque de câlin. Et merci Flarex pour le flow. Assez glauque quand même, hein. Toutes les choses que ces personnes ont faites. Et bonsoir, bonsoir Flarex, bienvenue pour ta première fois sur la chaîne, bienvenue à toi. Et salut petit Baracus. Putain d'animaux en toc. Et salut Private Eyes. Ah bah moi je connais par cœur le jeu. Je le connais par cœur le jeu pour le moment, Flarex. Ellie ! Je suis là ! C'était quoi ça ? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Ah, toujours aussi incroyable, effectivement. Quand un jeu a 4 ans, que tu l'as refait, donc c'est ma 6, 7, 8ème fois, je sais plus, et qui continue à t'émouvoir, à te mettre des frissons, c'est que c'est un jeu d'exception. Donc deuxième jour à Seattle les amis. Ils en feront un troisième.
La poubelle, elle a pris cher. Hein. Elle a pris tarif, la poubelle. Hey. Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Hey, une série de 3 visionnages. Merci à toi, Private Eyes. Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Flarex, Flarex, ne parle pas trop de choses. Ne parle pas trop de choses parce que sur le chat, il y a des gens qui n'ont pas vu le jeu. Donc, on parle pas de... Il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle ? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Elle est en PLS, Dina. Elle est en PLS. Ça fait du bien. Écoute. Je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de cas ? À vous. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, parlez pas de Abby, etc. Pensez à ceux qui n'ont pas vu, etc. C'est Tommy. Je viens de le dire en plus, les gars. Arrêtez. En fait, j'en suis pas tout à fait sûr. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici. C'est relou, sans déconner. Et que là-bas, on a le 12. Je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il crest. D'accord. Dina. Ouais. Ça va pas fort. Ouais. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Tu verras, Boulouga. Ouais, d'accord. Attends. Tiens, ah, le fameux bracelet. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Et ça, c'est l'un des passages du jeu que je déteste le plus. Okay. Ça me gonfle, Hillcrest. C'est le bon endroit. Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. C'est pas mal. Ouais, Tommy, il est pas, Tommy, il est pas là pour rigoler. Hein. Hmm.
Boris Legazov. C'est un pote à Rubik, ça. Dégâts on a déjà fait. On va améliorer la stabilité. Important la stabilité. Ouais, c'est une bonne feature. C'est bête, c'est un petit détail. Mais rien que le fait de secouer ta manette pour secouer donc ta lampe torche, je trouve ça trop immersif en fait. Attendez, on va peut-être faire un cocktail molotov. Tac. Voilà. Ah, j'aurais dû peut-être faire des flèches en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire 50% de soins. On a fini. Ah ouais, ça, la durabilité des. On va essayer d'aller choper ça sur la durabilité des. La durabilité des silencieux plus les attaques furtives. Ça, je veux le faire en priorité. Hop là. Hop là, on se calme. Ok. Y a rien d'autre à choper par là. Allez, des munitions là, voilà, c'est ça qu'on veut. Hop. Là on commence à être pas mal niveau munitions, niveau projectiles. Là, on prend carrément. Les petites pilules qui te permettent d'améliorer les compétences. Oula, des pilules, vas-y, prends des pilules. Hop là.
tout ça on vient de le faire. Voilà, on a tout fait, on peut avancer. Hé, coucou Miss Picsou. Comment vas-tu? Tommy qui a la voix de Stifler, bien American Pie, j'ai mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tiens bon, Tommy. C'est le même comédien de doublage. Et c'est Slow Day. T'as vu? Alors j'ai pas vu sa vidéo, il joue à Unrecord. Moi c'est pas du tout mon kiff, honnêtement. Bah écoute, ça va super. On est en stream, ça joue à The Last of Us. Ça ne peut que aller bien. Voilà, ça on aime les petites boîtes de 8 pilules là. Comment ça on est plein en... Oh merde, je suis plus en fusil à pompe alors que j'ai que 8 munitions. Arnaque, 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 arnaque. Ok, 40 000 pour le fait est censé améliorer les choses. Et ouais, c'est des escrocs. L'armée a accaparé toutes les ressources. Il est trop bien fait. Bah, forcément, d'ailleurs, c'est pas un jeu. C'est une démo technique. Nuance. C'est une démo technique et forcément, ils ont fait ça pour avoir un. Une patte graphique photoréaliste, donc forcément, c'est même pas qu'il est trop bien fait, c'est que c'est du photoréalisme. C'est de la réalité. Mais justement, en fait, le jeu vidéo est suffisamment. Suffisamment, on va dire. Clashé. Du coup, c'est comment pour. Alors, pour jouer avec les personnages secondaires, c'est uniquement dans le mode no return. Là, sinon, tu peux pas. Et donc je disais oui, les jeux vidéo sont... Oui, on voit que c'est un jeu forcément, mais sur la vidéo de présentation qu'ils avaient présentée, l'illusion était parfaite, mais justement, le jeu vidéo est suffisamment stigmatisé, enfin c'est déjà suffisamment relou, quitte à faire un truc photoréaliste comme ça, mais faites-nous un jeu d'aventure, enfin une démo d'aventure d'un mec qui... d'un mec qui est explorateur et tout, où il n'y a même pas d'utilisation d'armes ni rien. Où, enfin voilà, enfin... Là en plus, les mecs, ils ressemblent plus à des terroristes qu'autre chose, enfin c'est... Non, moi, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'ai envie de tester, mettre en avant, etc. Comment ? Perso, j'ai fait les deux cet été, donc pour l'instant pas... Attention, c'est pas un remake. Le premier, c'est un remake. Celui-ci c'est vraiment un remastered hein. C'est vraiment un remastered où t'as juste une meilleure résolution graphique puisque du coup là tu peux jouer en 4K natif, ce qui n'était pas le cas sur PS4 et tu peux ah pourquoi c'est fermé là, comment je fais pour aller par là moi, et tu as un mode en 4K upscale que tu peux avec lequel tu peux jouer en 60 FPS. Bah comment je fais pour entrer ici moi? Faut pas y aller là. Moi je veux aller dans la pièce fermée. Et ça va me stresser si je ne sais pas comment y aller. Et ben voilà, j'ai trouvé. On va ramasser la feuille d'abord.
Moi bon, en tout cas j'ai vraiment pas kiffé. C'est pas que je suis anti-arme, mais là ça fait vraiment... C'est vraiment jeu violence pour violence, enfin... T'as même pas l'impression d'être un flic, je te dis, t'as l'impression que c'est des terroristes, enfin c'est bizarre, enfin le... Je suis pas anti-arme, je suis anti... Je suis anti-production qui vont desservir le jeu vidéo. Et ça pour moi ça s'appelle jeu vidéo. C'est un truc con en fait. Pour moi, il y avait beaucoup plus moyen de se servir de l'Unreal Engine 5 et de faire un truc photoréaliste pour faire un truc utile qui... toujours la violence, toujours tirer... Enfin, il n'y a aucun truc, en fait. Il n'y a aucun intérêt dans cette démo, en fait. Du coup, non, je ne mettrai pas en avant ça. Pour moi, il y a d'autres choses qui méritent plus d'être mises en avant que ça, en fait. Je peux dire que je suis anti-armes et anti-violence si c'est vraiment juste là pour dire voilà. Oui mais ça m'étonne pas que c'est des jeunes de 17-20 ans. Enfin ça. Quand j'ai vu le trailer, c'est le premier truc que j'ai pensé. Je me suis dit mais ça c'est des trucs qui ont été faits par des gamins. En mode ah là là regardez c'est trop stylé. Ouais ok bon. Moi personnellement c'est pas ça qui m'excite quoi dans le jeu vidéo. C'est trop con, on devait foncer dans le tas. On sécurise le périmètre. C'est là que les galères commencent. Avec les chiens et tout là. Oh là là. J'ai quelque chose. Oh, merde. Désinfecté. Faut comment. C'est là que. Avec la fille de l'école. Si c'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. C'est là que les ennuis commencent. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, on peut se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve. Et après. Hey. J'ai du mouvement. Par ici. Mais chop. Là, tout doux. Gabi. Entendu. Il attaque. C'est une merde. C'est les histoires qui commencent là. C'est les histoires qui commencent là. Deux coups de fusil à pompe, le gars est. Non mais. Mais bien sûr mon gars, Highlander quoi. Highlander. Salope. Attaque mon grand. Ouais mes couilles hein. Ouais bon là je suis désolé mais y a pas le choix hein. Y a pas le choix Mais voilà très bien. On va faire comme ça. On va essayer de les contourner. Parce qu'en fait j'avais pas prévu de les attaquer non plus. On va dire que j'ai pas eu trop le choix. Mais on va plutôt faire le choix de les... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as une piste ? J'adore les chiens aussi, hein. Je déteste les tuer, mais là, ceux de The Last of Us, on va pas se mentir, qui nous cassent les couilles. Je la tiens. Mais chope là, mais chope là. Putain mais ça m'énerve ça qu'elle est à côté qu'elle veut pas la prendre. Allez.
Ouais, c'est sûr que des fois elle est un peu conne, genre là on était à côté. Putain mais saute lui dessus et bute là. Directement chercher l'autre bouteille. Voilà. Ça peut toujours servir. Ah merde! Le piège! Et oui, il faut que je casse le mur. Ça, ça va faire max de bruit, ça. On va laisser se barrer. Barrez-vous. On va bien passer par derrière. Là, tranquillement. Voilà. Ouais d'accord Ali. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être fabriquer... Ouais on peut fabriquer des flèches. On va fabriquer des flèches. Est-ce que là... Il nous en faut combien là? Il nous en faut 50... Ah il nous en manque deux. Il nous manque deux petites pilules. Des pilules pour Ellie. Pas des petites pilules là? Relou. Les armes, les munitions c'est important, les munitions. Y'a rien d'autre, là c'est le truc. Voilà, là on est plein en santé, ok. Ça, on prend. Ça, on prend. Toujours des lettres pour Boris. Hein. Je sais pas qui c'est ce Boris, mais... Hop là. Ok. Tac.
Est-ce que on peut améliorer quelque chose? Eh ben non, super. Ok, on va pas aller là-bas tout de suite. Pas de ressources là non plus. Putain, mais... Bon, on va commencer par fouiller là-bas. Hein. Montre le ciel pour voir. Ok. C'est une drôle de demande, mais d'accord. Ça c'est de la vie, il n'y en a pas besoin. Merde. Puant. Ah super. Ouais, il grogne fort en plus là. Ah non. Ah bah non. Ok, forcément je peux plus remonter là. Ah oui, je peux plus remonter. Super. Il est juste là. Très bien. Oh, qu'est-ce que ça pue. Pour combien d'euros dans l'univers de The Last of Us? Mais zéro. Zéro, puisque si je vis une semaine dans l'univers de The Last of Us, je ne survis pas. Bon, on va avoir masse de ressources par contre, du coup. Qu'une seule, bordel! Bande de radins. Eux sur eux, ils avaient pas des trucs là. Pouah, qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses, bordel. Ah, tu vas me dire qu'il y a vraiment rien. Ok. Putain, à chaque fois, on a qu'un seul boulon. Va falloir améliorer la capacité des chargeurs parce que je suis déjà full. Alors que j'ai que 8 balles. C'est rien, 8 balles. Ça on prend, ça fait plaisir. Ah. Ah. Les 10 pilules qui font plaisir. On va prendre tout de suite. Du coup on a dit ça là. Ah ça c'est bien aussi, putain, que des bangers là. Là il faut 40 et 60. Ok allez. Et donc du coup quand on est comme ça, elle va plus vite. Très bien, très très bien. Ah on va pouvoir remonter par là, ok. Donc là il n'y a rien non plus. Ok. Intérêt dans un magasin de jouets. C'est mignon. La chasse moderne. Donc là normalement on a débloqué. Voilà, on a débloqué ça. Très bien.
Hop là. C'est les infectés qui sont arrivés. Oh putain. Gaffe, si on a une autre qui est rentrée là-bas. Et salut Dara, bienvenue. Voilà, ça dégage. On va faire, allez, pas faire les fifous, mais voilà. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Un vrai salon de tatouage. Voilà, encore 9 pilules, ça fait plaisir. Bon là, ça fait un peu moins plaisir, y a rien du tout. On commence à être fou là, toutes les munitions. Alors c'est bien d'un coup parce que du coup ça veut dire que si on s'attaque on est bien, mais on a quand même pas beaucoup de munitions pour être full là. On a pas beaucoup de munitions pour être full. Et non, malheureusement, le coffret WLF m'est passé sous le nez. Surtout que les précommandes ont été lancées le jour du trailer de GTA 6. Donc j'étais un petit peu occupé sur Rockstar Mag. Et j'ai bien le seum d'ailleurs. J'ai déjà vu sur internet les mecs... Ouais mais oui, ils sont infectés là-bas. J'ai vu déjà au prix où les ont mis sur internet... Forcément. Bon. Non mais c'est des gros... C'est des enculés les gens. On va essayer de pas l'énerver. A tous les coups, il va venir par ici, non? Ah, il est là-bas. Vas-y, lève-toi. Oui, bah oui, vas-y, lève-toi. Pas te cacher. Ah, l'ambiance, ouais, elle est.
Ah bah on peut faire, ça y est. Hop là. Voilà, très bien. On va quand même se cacher un peu plus quand même, on sait jamais. Code de Dale. Code du coffre. Ok, faut trouver un coffre. Le coffre, je sais plus où il est. Je crois qu'il est après. Oula. Oula. Putain, il va dans l'allée où je voulais aller. Sa mère. Tout ça, c'était des munitions, c'est des munitions que j'ai pas besoin. Je suis plein en flèches aussi, bordel. Wow, c'était quoi? Oh merde, j'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. Bah du coup pour Slow Day qui voulait voir le ciel. Ah putain, c'est vrai qu'il y a des infectés aussi là. Attends. Il y en a une là-bas, un là-bas. Barre-toi, 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 barre-toi. Et barre-toi. C'était sûr qu'ils allaient venir sur moi. C'était sûr. Bref, nous en voilà débarrassés. Pas de ressources ici. Tant pis. La niche du chien. Let's go, les 11 pilules. Putain, mais du coup, j'ai pas trouvé le coffre. On est parti un peu précipitamment, j'ai pas pris le coffre. Merde. Quel con. Complètement oublié, j'ai juste d'y penser maintenant. Des munitions de fusil à pompe, je serais pas contre. Je serais pas contre. Une petite flèche explosive. Putain, eh ben voilà Boris. On a trouvé Boris. Putain mais Boris, coriace hein. Coriace Boris hein. Deux coups de fusil à pompe, il déconne pas Boris hein. Putain, j'aurais dû prendre le fusil de chasse en fait.
Qu'est-ce qu'on peut construire? Qu'est-ce qu'on peut construire? Sans doute... Bah il nous reste plus que ça à construire en fait. Bah let's go. Hein. Ça me surprend à chaque fois. On sait que ça va arriver, à chaque fois on le dit mais... On a trouvé Boris. On sent qu'il est de la famille de Hoybeck. On est d'accord. On est d'accord. On sent que c'est de la famille à Hoybeck. Entendez les chiens aboyer. Là aussi c'est le début des histoires. Les chiens ont flairé quelque chose. Je crois qu'il est en bas. C'est pas possible. Il est encore ici, il vient de faire sauter un camion. Tu crois? Ouais putain, j'en suis sûr. Dispersez-vous. Ils sont peut-être plusieurs. Non, non, mets-toi à couvert, mets-toi à couvert. On prend. On prend aussi. Putain, là t'as les chiens qui te pissent et tout, tu peux pas trop ralentir. Foutu, tu te fais repérer une fois, c'est foutu. Salut Thaïs, coucou, c'était une nouvelle partie plus quand tu as commencé. Oui, combien t'as. Combien. Comme moi t'as. Non mais en fait, pour pas recommencer, faut juste importer ta partie. Dans le menu, t'as histoire, t'as charger partie, importer partie, tu importes ta partie et ça importe ta version PS4. Et après, tu choisis si tu fais une nouvelle partie plus ou si tu fais une partie normale. C'est directement inscrit dans. Dans le menu en fait. Du coup on reprend ici. Ouais, cette partie là je la déteste parce qu'en fait t'as pas le temps de te reposer, de... Faut que tu fonces en fait. Faut que tu fonces sinon ce bâtard il arrive, je l'avais pas vu là. Bon, heureusement qu'il est aveugle lui. Il y en a partout, c'est la galère, c'est la misère. Je suis en panique. Là je sais qu'ils sont partout là. Voilà, il y a un chien qui arrive là-bas. Il est en train de renifler ce bâtard.
où ces bâtards? Ils sont où ces bâtards? Désolé hein. Zoé, on avance. Putain. Rien que pour ce niveau en réaliste, chien de merde. Non, j'ai mis un coup de fusil à pompe. J'ai mis un coup de fusil à pompe. Putain. Salut Scalmokey, bonsoir, je ne savais pas que tu streamais, même si cette réflexion est stupide vu qu'à présent la majorité des youtubeurs stream. Bah pas tous hein, pas tous, mais honnêtement c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes à la fois sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag d'attaquer les streams. Du coup ça fait une petite année maintenant que je stream. Donc du coup bah bienvenue à toi. Première fois sur la chaîne, bienvenue. Le truc c'est que là je sais même pas par où il faut que j'aille. Je suis complètement perdu. On va sauter hein. Là ça peut arriver de tous les côtés. Ça va arriver de tous les côtés. Mais non mais j'ai tiré. Putain mais c'est incroyable. Attaque. Je pète un plomb. Je déteste ce niveau. Je le hais. Je le hais au plus profond de moi ce niveau. Je crois que c'est vraiment la partie du jeu que je déteste le plus. Surtout qu'au plus je me fais buter, au plus je perds du temps, enfin au plus je perds ma patience. Et au plus j'ai envie d'y aller en fait. Putain clébard. Oh salaud. Merde. Mais arrête de bouger. Je suis meilleur en plus avec Carl Arc. C'est le chien qui me voit en plus, ce bâtard. Oh putain, d'accord.
Zachary ! Hein ? Quoi ? Bordel, elle... Ta gueule. Derek ? Tu vas bien ? Chier. Hey ! La bouteille. Cathy, t'es con. Je voulais juste lancer la bouteille. Bah là ils vont arriver là. Oh putain. Ah non. Avancez. Attends, il m'a pas vu? Ah si, il m'a vu. J'avais pas vu le chien. Mais j'avais marre de ces chiens, putain. Ouais, mais c'est foutu. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est incroyable, putain, ce niveau, je le hais au plus profond de moi, c'est un peu fou. Ils ont vraiment déconné sur ce niveau, il y a tellement... Moi en plus, c'est vraiment les zones que je déteste, quand vraiment tu dois affronter les ennemis et tout. Là, pour moi, c'est un calvaire. C'est pour ça qu'à l'époque, sur Naughty Dog Mag, je lui avais mis 18 sur 20 au jeu. Parce que je trouve qu'il y a tellement de séquences comme ça, où en fait, t'as des zones avec tellement d'ennemis. Et moi, ça me casse les couilles. Derek, je crois que ça venait de là-bas. Elle m'a semé. Débusquez là. Regarde tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. Oh, ici. Ça venait de là-bas. Elle est sur le toit. Non, 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 non. Elle est partie. Zed, par ici. Bâtard. Mais putain, j'ai esquivé. Putain. Vas-y, attaque! Pourquoi il dit ça lui? Il a son chien avec lui ou pas? Oui, il y a le chien qui arrive. Rattrape-la! Je suis désolé pour les bergers allemands là, mais... Lâche prise. Oh merde. Zoé. Oh là mon gars. Alors toi mon gars. Voilà. On a tous cassé les couilles là. On a tous cassé les couilles. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est dégueulasse. Ah. Ah bon. Voilà, ça leur a fait les pieds. Bon, j'ai carrément plus de munitions pratiquement. Fait chier. Bon, les chiens, ils ont pris tarif de ouf. Je suis désolé. Bah là, c'est que c'est même pas de l'infiltration.
C'est-à-dire qu'en fait, y a aucun chemin en fait, t'es obligé de te faire repérer. Et du coup, c'est un peu relou quoi. Hop là. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Bon, ça, je m'en fous un petit peu. Ça, c'est pas utile. Ça, je peux le faire. Comme ça, on est à 6. Tac, 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 tac. Oui, si, je peux faire quand même le... On peut créer le silencieux. Mais pas s'en équiper. Alors ça... Voilà. Pas obligé de s'en équiper. Bon, bah, du coup, on peut aller fouiller un peu partout. On a un peu plus le temps de fouiller là. Ça, on l'a fait. Ça, toujours utile de l'avoir. Voilà. Là, est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Voilà. Je pense qu'en fait maintenant aujourd'hui j'ai plus la patience de trop prendre mon temps, de tuer tout le monde, de pas me faire opérer. Donc le mode réaliste et mort permanente, c'est pas pour moi. C'est sûr que je vais faire un ulcère. Voilà. Merde, putain mais qui est con. Je suis en train de jouer à 4 jeux différents en ce moment, en plus de The Last of Us. Et je suis en train de me mélanger les touches et tout, c'est un enfer. Ok, bon, on a tout fait, on va pouvoir avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a eu eux, mais il reste la deuxième maison. Et là, à mon avis, il va y avoir des gens aussi. Non? Dans cette maison, il va y avoir personne, là. On les a vraiment tous eus. Un peu. Eh oui, non, il y a les gars là-bas. Putain. C'est trop beau pour être vrai. Putain, il y a encore des chiens. Oh, il y a un mec juste là. Il y a un mec juste là. Il y a un mec juste là. Comment ça, il est pas mort? Mais il a pris un coup de fusil à pompe, c'est impossible! J'ai plus. Mais allez, t'es sûr? J'ai pété un plomb! Eh ben, on va recommencer. Salut Bigorno! Mets-toi sur le côté! Putain de chien! Allez, viens là, Rintintin, tu vas voir. Voilà, tiens. Elle est partie par là. Elle s'est tirée. Elle est là, quelque part. Très bien. Tu m'entends? Quelle merde.
là. Tac. Vas-y, ça te dit pas de prendre le fusil à pompe? Non, t'en as rien à foutre, ouais. Bien, si t'as juste besoin de munitions de fusil à pompe, mais bon, c'est pas grave, ne prends pas le fusil à pompe. Ok. Prends de la vie, par contre, ça te fera du bien. Prends ça, prends de la vie. Voilà, un bon paquet de chips, ça donne toujours le moral. Ah, ça, on prend. Ça, on prend. Ah, voilà. Ah putain, les seules munitions que je suis plein, mais j'ai vraiment pas de chance quand même. Salut Bigorno, salut Adèle, Adèle Jandel, ça va super et vous? Comment allez-vous? On est en pleine session rage sur The Last of Us, mais tout va bien. Ah ouais, donc en fait de là-bas je peux venir ici, putain, mais je me rappelais plus de ça. J'aurais pu faire tout ça et pas me faire chier en fait. Allons voir ce côté. Oui, c'est quand il y en a plus, il y en a encore. Je déteste cette zone. Je déteste cette zone. Pourquoi est-ce qu'on a autant de fois que nous? À cause de ce qui s'est passé à l'école. Ouais, mais on pense que ces intrus sont mèches. Faites attention à la porte. Ils l'ont trouvé. On va les aider, je crois. Oh la salope! Mais c'est pas possible! C'est peut-être un infecté. S'il était pas seul. Nickel. Un chien. J'ai entendu courir de ce côté. Elle est partie par là. Vous arrivez près de la barrière. Enfumez-la. Putain, mais...
putain. Partir seul. Jesse. Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous. Elle est partie par là. Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Des potes me sont tombés dessus, sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Faut y aller, faut y aller. Hein. Hey, pas de conneries, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Je prends celui de gauche. J'ai cru voir quelqu'un. Viens, suis-moi. Je te couvre. Tu peux pas le dire avant. Bah super, Jesse. Non mais. Super Jesse, je prends celui de gauche, et ben on l'a vu, super. Sur ta marche, dors. Ouais, je suis sur PS5, quoi. Allez,
cette séquence là elle est incroyable. La... Je déteste Hillcrest, par contre la fuite en bagnole... Meuf, sors de ton côté, t'as même plus de porte. L'eau c'est tellement bien fait là et tout. Re-Reda. Ça va? Ah, je suis au top. Ok, je crois qu'on est bon. Allez, viens. Merci. Par là. Ok. Oh, Justice League, c'est le OZEF total. Hein. OZEF total. Dina! DC ni Marvel. J'ai jamais vu un seul DC, j'ai vu un seul Marvel. On va rentrer à l'intérieur. Team ouais. Star Wars, les amis. Allez, viens. Doucement. Maria, t'as laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade. Non, c'est seulement des maux de ventre. Allez. Viens t'asseoir un peu, d'accord? Hello William! Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, oh merci Wick pour ton resub, j'avais pas vu, merci beaucoup! Alors, t'es parti quand de Jackson? 45e mois d'abonnement pour Wick, merci beaucoup mon Wick, c'est adorable! Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18h pour vous rattraper. Elle est jalouse, Ellie! Non? Tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Et merci Tuxedo pour ton Prime! Boudé pour si peu. Merci beaucoup, c'est adorable. J'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance? T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. On n'a pas eu la même en France, hein. On n'a pas eu la même en France. Hein. Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Et voilà! Le bruit les attire. On est en patrouille. On va s'en débarrasser. Bâtard. Merde. Pense bien à la trajectoire. Du bon boulot. Il en reste 2. Mange ça. Il me plaît bien. Ah, bâtard, il m'a feinté. Prends ton temps. C'est bon, il y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver.
Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Les hordes. Il y a des hordes. Tous les ans. Comme un genre de migration, ouais. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, un an... On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi? Ah, un animal mort. Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir... Oh, je l'ai eu, là! Oh, en pleine tête. Impressionne. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois? Oh, abusé là! Ne te précipite pas. Trop courant. Mais abusé là, je les avais! Allez. C'est une blague. Vas-y, réessaie. Ah bah enfin! T'as ça dans le sang, il en reste quelques-uns. Ah, lui, je l'avais! Ça sent l'automne. J'aime ça. Cette odeur de feuilles mortes. Ah, il s'est arrêté ce bâtard! J'ai mis du temps à prendre le coup de main. Putain, qu'est-ce bâtard! Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel, étroit. T'as pris le coup de main? Yes! Il y en a d'autres là-bas. Ah, je l'ai eu là! Ouais, c'est les lois de la physique. T'en foutais de la physique? Bien joué. Bâtard. Faudra que je raconte ça à Joël. Ah, j'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. Les derniers films Star Wars, ouais, non, ça se regarde quoi, c'est... Ça se regarde. Il y avait tellement moyen de faire 10 fois mieux. Donne-moi ça. Eh, hey, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais Joël s'inquiète pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Mais je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer, ouais. C'est vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi? Il faut les changer? Ouais, on t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Ça, c'est vrai, Boulga, je suis d'accord. Je montrais la garde. Le dernier jeu Star Wars m'a déçu. Ok. Ma critique, elle est dispo sur ma chaîne, si vous voulez. Allez, on se tire avant. Mais j'étais un petit peu déçu par Jedi Survivor. Autant j'avais été agréablement surpris. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. Il t'attend. J'avais été agréablement surpris par Jedi Fallen Order. Et là, bah... Pourquoi vous portez toujours volontaire pour cette patrouille? Parce que c'est le poste de gay qui a le meilleur canapé. Je m'assois près du feu. Si j'ai envie, je m'allonge. Le pied. Pourquoi il y a un Savage Starlight ici?
Je crois que c'est à Joël. Oh, ça sent bon par ici. Il n'y a pas beaucoup de ressources là. Tu comptes dormir ici ou quoi? Bah, non, je fais ce que je veux là. Je vérifie que j'ai rien oublié. Pas chier, Tommy. Non, Star Wars Outlaw, j'ai pas mal de. Pas besoin de cordes, faut qu'elle sonne plutôt bien. Ouais, carrément. Star Wars Outlaw, je pense qu'il y a moyen qu'on soit surpris. Les équipes d'Ubisoft Massive, même si Avatar était loin d'être parfait, mais tu sentais qu'ils avaient envie de proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais. Ouais, vous me faites chier les deux vieux là, hein, c'est moi tranquille. Ok, on y va. Allez. Suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Allez là, je putain. Je préfère que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Oh, les chevaux, ils ont du mal, hein. Tu te rappelles les... Les comics Savage Starlight, que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? C'est... En fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour t'échapper. T'es trop marrant. Laisser les chevaux ici. Ouais, ça me va. Paillette, pas de bêtises. Hein. C'est Paillette. Voilà le magasin de musique. Paillette qui est mort, ouais, mais en arrivant à Seattle. Perso, la terre, j'ai bien aimé. Des systèmes pas très bien gérés, mission répétitive. Bon, il est trop répétitif en fait. Avatar, j'ai kiffé vraiment. Mais trop répétitif, bordel. À mon avis, on peut pas passer. Spider-Man 2. Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi alors? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. J'ai peut-être quelque chose. Nice. Sur la voiture? Tu crois que tu peux passer? On peut essayer. Sur laquelle? Fais attention. D'accord. Sur quelle voiture? Ah, dans le trou. Dans le même genre de quoi? De The Last of Us ou de... Ah nice, bien vu, Naze. Dans quel genre? Dans le genre Spider-Man, dans le genre Avatar, dans le genre The Last of Us?
à quel moment tu vas là-dedans en fait? À quel moment tu... Jamais. J'y suis. Attends deux secondes. D'accord. Jamais en fait. Oh, faut arrêter de chercher les problèmes aussi. Hein. Faut arrêter de chercher les problèmes. Ah, avec une bonne histoire, bah t'as les 4 Uncharted, pas que le Uncharted 4, les 4 Uncharted, les 2 The Last of Us, Detroit Become Human, Heavy Rain, un Till Dawn, mais un Till Dawn apparemment il va pas tarder à revenir sur PS5, donc tiens, salut. Attendez salut. La version PS5. D'ailleurs je pense qu'on le fera sur la chaîne quand un Till Dawn sortira sur PS5. De soins, on prend. J'arrive. Laisse-moi fouiller, laisse-moi faire le tour. C'est flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage. Alors, il y a des spores. Beyond Two Souls m'a vraiment. Y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? Bon, d'accord. Bientôt le film m'a déçu. Vraiment. Faudrait qu'on se fasse Detroit Become Human aussi. Putain, il y a tellement de jeux j'ai envie de faire en fait sur la chaîne avec vous. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jesse ou Dina? Bien sûr que non. Ok, tant mieux. Cyberpunk, je suis en train de le faire en ce moment, hors stream. T'étais déjà venu ici? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Ça là. Quand par contre, il y a trop de munitions à ramasser. C'est que tu sais que ça va pas être bon. C'est que tu sais que ça pue. Oui, bah on va en faire, hein. C'est prévu, hein. J'ai prévu de faire Outer Wilds que j'ai jamais fait. J'ai prévu de faire, y a quoi que je voulais faire aussi. Après les jeux récents, c'est compliqué parce que comme moi je les teste juste avant. Bah ça me demande de faire deux fois le jeu en deux semaines par exemple. Je vous avoue que bon... Bon, ça c'est d'où on vient d'arriver ça? Non? Oui. Mais on va voir, il y a certains jeux récents qu'on fera ensemble quand même. L'année dernière, on l'avait fait Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, bah, je l'avais fait deux fois, mais. Il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps? Je sais pas trop. Il venait de chez nous? Non. Il ne manque personne à Jackson, par les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Ok. Je platine. De quoi je platine? Ça dépend les jeux. Là, bah, cette semaine, j'ai platiné South Park, le bâton de la vérité sur PS4. Je l'avais platiné sur PS3, je l'ai refait sur PS4. Parce que j'ai jamais fait l'anal du destin. Mais là, en fait, il va y avoir trop de jeux à faire là.
Il y a Banisher qui arrive, il y a Tomb Raider Remaster qui arrive. Ellie. On est en patrouille, non? Il y a Bioshock 2 à faire, Bioshock... Bah d'ailleurs, premier Bioshock, je l'avais jamais fait. Donc bah Bioshock 2, je vais le faire en stream pour la première fois. Bien joué, Joël. Tente infecté, prépare-toi. Joël, il a bien visé là. Oh, il m'a fait peur lui. Bon, c'était tendu, hein. Par ici. Hop là. Hop là. Un petit troisième cocktail. On dit pas non. Non, mais qui est con, mais qui est con. Putain. J'ai pas eu le temps de tout fouiller. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Putain. L'angoisse. Joël, je crois que c'est fini. On dirait bien. T'as assuré, Ellie. Bon, et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. En plus, c'est moi qui les ai réveillés en... Hein, on peut pas repartir par là. Avec mon cocktail Molotov comme un con là. T'as tout ramassé là. Ah, j'ai tout mis pistolet.
se présente pas mal par ici. Je te suis. Merci Bigorneau pour le follow. Ça, c'est des séquences d'action. On a failli y rester. C'est vrai. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Ça va ? À part la vieillesse, tu veux dire ? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Que tu fais? Et si jamais il y a deux colosses derrière? Tu es confiant, Jojo? Y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là? Ils sont ensemble, non? Plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Ouais, t'es plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ben, on verra bien. Ouais, ben... n'espère pas trop. Tu pourrais te glisser là-dedans. Non, pas très glamoureux parce que... Tu vois ce qui bloque ? Quand Dina et Ellie sont sortis ensemble...
Dina venait de rompre avec Jesse. C'est bon. Merci. Ouais. Hey, Joël. Je crois que c'est eux. Le couple qui s'est enfui l'année dernière. Ah, début du tatouage. T'as raison. Début du tatouage. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Adam. Bonne soirée, Tuxedo. Bon, merci à toi. Ils étaient pas immunisés. Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles. Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi ? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. T'y crois vraiment ? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça ? On a voyagé. À travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille ? Parce que je les ai laissés faire leurs tests. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien ? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par Ellie. Trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. Encore la musique. Il est dans les vapes. Hé, hey, je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit ?
C'était pas le moment. Et voilà. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Bon, en suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Faut suivre la route 5. Je retrouve Nora. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. C'est parti. Oh putain, j'ai plus de munitions là. Oh non, la défaite. Oh la défaite. Et salut Liven. Bah écoute, c'est tout aussi bon que le jeu de base. Hein. C'est tout aussi bon. Bienvenue à toi pour cette première sur le live. Bienvenue à toi. Des choses à récupérer dans les rayons, même pas. Ah, incroyable ça. Ah, une carte. On prend. Salut Mossouk, ça va et toi? Ah. Voilà, petite mission. Je me demande combien il y a de wolves dans cet hôpital. Beaucoup trop, Ellie, beaucoup trop. Cool, je me rapproche. Ah. Aucune vide de péter.
fait chier. Il n'y a que des ressources. En ce moment, je joue à un jeu que je peux pas vous parler parce que je suis sous embargo. Je joue à Jurassic World Evolution 2. J'ai testé Disney Speedstorm que je trouve très cool et du coup bah The Last of Us Partie 2 Remastered. Ouais, je suis sur 4 jeux en ce moment, 4-5 jeux en ce moment. J'espère qu'on va avoir la dose de ressources. Voilà, nickel, on va pouvoir faire un cocktail. Bah, je dois vous avouer que depuis que j'ai la PlayStation Portal, je joue beaucoup plus. Parce que en fait je suis devenu complètement accro au Remote Play. Alors qu'avant j'arrivais pas sur mobile. Et avec la Portal en fait la prise en main elle est tellement confortable que tous les soirs en général je me posais devant une série, devant un film et je faisais que ça. Et là maintenant tous les soirs je suis posé dans mon lit au chaud sous la couette. Et je joue à la play en même temps que je mate un film ou une série que j'ai déjà vu ou quoi que ce soit. Et donc du coup j'avoue que je joue... Et en fait je me suis surpris à rejouer à plein... à des jeux. Genre là j'ai mis début janvier, j'ai mis 20 heures dans la tête à FIFA. Alors que FIFA ça fait 3 ans que j'avais plus joué. Et en fait jouer sur portable via la Portal, et ben je trouve ça beaucoup plus... Je sais pas, ça me réussit. Bon. Et merci Leven pour le follow. Bienvenue hein, encore une fois à toi sur la chaîne. Son amour est partout. Non mais sérieux. Mais non, mais c'est une blague. Ellie, putain, fais un effort.
Bien sûr, hein, avec la portale. La portale, c'est simple, en fait, c'est juste un écran de la PS5, mais en fait, je contrôle ma PS5 à distance. Hein. Donc, bien sûr qu'on peut. On peut débloquer les succès, tu peux jouer à tous les jeux, je peux même regarder un film ou une série sur la portale. Il y a des trucs très cool là-dedans. Oh, comment elle s'est mangée le fourgon, la honte. Hop le... la mauvaise fenêtre en plus. Qui est con, c'était celle-là qu'il fallait. Putain, Jack, on n'a pas beaucoup de ressources. Ok, Ellie. Il faut monter sur le fourgon. C'est vrai que cette énigme, la première fois, elle est un peu tordue quand même. Hein. Et salut Ruben! Mais y a pas de soucis, Ruben. Putain, mais Ellie! Tourne-toi là, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous là, putain? Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a effectivement des trucs cool à récupérer ici. Il y a des trucs vraiment cool à récupérer. Hop là. Là, c'est d'où je viens d'arriver. Le chat, coucou le chat. Où
Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Peur. Paquet de chips. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Voilà. En vrai, c'est un bon état pour vivre ici. Hein. Il y a pas mal de pièces verrouillées qu'il faudrait faire, mais là... Salut, Lovici. Ah, là, on va pouvoir modifier des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? Lâche-moi! Putain! Faut la buter! Lisa, on va aller se faire foutre! Lisa! On y retournera pas! Oh putain! C'est terminé! Le bain de sang. Putain. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est vrai que quand tu t'y attends pas, t'es là en mode « Oh, petit établi let's go !» On va... Oui, bah, mes couilles, hein. Hop, on va pouvoir le faire. Alors, là on peut améliorer les dégâts, la stabilité, là on peut... Ah, capacité. On va carrément améliorer la capacité. Attends, capacité, alors, faut réfléchir là. La capacité... Ça oui, parce que ça je suis déjà à fond je crois. Là, je crois qu'on pourra déjà plus rien faire. Non, merde, putain. Donc là, on peut rien faire. Là, on peut améliorer la capacité. Vitesse de bandage, ça peut être pas mal aussi. Stabilité, on va faire la stabilité. Hop là. Hop là. Hop là. Ouais.
Oh, joli. Joli, joli. On va pouvoir bien améliorer Ellie là. Pour une wolf. Coup dur. Alors, on va charger. Comme ça, on est à fond. Là. Voilà, comme ça, là on est à fond. Là. On est déjà à fond, tac tac. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs? Non, par contre, des piles, 64 piles. Là, on a dit. Alors, ça peut être. C'est très intéressant. Donc, ça, on prend. Tac. Formation de suivi, c'est quoi? Ah, 25 améliorations, ok. Là, la prochaine qu'on va. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là, c'est le prochain qu'on prend parce que les kits médicaux, ils nous soignent que dalle en fait. Ok, donc là le prochain qu'on va faire c'est celui-là. Hop là. Là j'imagine qu'on peut pas non plus. Hélène. Ça c'est horrible. Horrible. Ah oui, j'ai vu la photo là, qu'ils ont commencé à mettre des photos et que ça y est, ils sont arrivés. Bah oui, parce que mine de rien, le tournage ça attaque dans 2 semaines. Hein. Octobre 2013. Examen de santé, 30e anniversaire, évacuation. Oh, ils ont pu mettre le 20 octobre quand même. Hein. Le coffre. On va juste faire ça pour voir ce qui s'est passé. Tac. Merde. C'est pas ici. Dernière lettre à Marie. Date du mariage. Ils se sont mariés quand? Le 8 octobre. Et c'était leur 30 ans. Donc 08 10. Et 2013, 2003, 93, 83. Yep. Ça fait plaisir. Et voilà. On a combien là-dessus? 28. Ouais, il nous en manque encore un peu.
Je vais regarder ça. Merde. Oh, casse pas tout. Oh, t'énerve pas. Y a aucun problème de scénariste. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème? Les scénaristes, c'est Craig Mazin et Neil Druckmann. Pourquoi tu veux qu'il y ait des problèmes? Il y a eu des retards. Enfin, potentiellement un petit peu de retard à cause de la grève des scénaristes. Parce que, en soutien, ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu travailler sur la série, mais en gros le script était déjà terminé, donc ça a pas eu trop d'effet. Et c'est surtout en fait l'emploi du temps de Pedro Pascal. À la base il devait attaquer le tournage fin décembre début janvier, et sur ça par contre il y a eu du retard. Bon allez, on fait ce petit casse-tête là, et dès qu'elle sort, je pense qu'on va conclure là. Ça, j'avais pas vu l'heure, c'est déjà 11h15. Hein. Il y a une longue nuit qui m'attend. Ah, il ferait du golf, ouais, il s'est mis au golf. Merde, je me rappelle plus ce que je dois faire déjà. Ah oui, c'est vrai que... Merde, qui est con, il y a la chaîne là. Putain, mais pourquoi... Pourtant la série elle est banger. T'es bien, pourquoi t'as pas aimé la saison 1, Lemmy Winch? Parce qu'elle est, je trouve qu'elle était quand même hyper fidèle. Ça me stresse, il faut que j'ouvre les portes, ça me stresse. T'as pas eu un truc là? Eh ben les amis, c'est sur cela que va s'achever tranquillement ce petit The Last of Us Part 2. Voilà la série, moi j'ai adoré la série, hein. Franchement. Mais merci à toi Eddie, merci à tous ceux qui étaient là, bonne soirée sur, là sur la route, oui, bah, je pense que même en plus je vais rouler vraiment ou pas, donc voilà. En tout cas j'espère que vous avez kiffé les amis. Nous on se retrouve demain, demain ça va être cool, j'ai hâte, parce que demain on est sur MotorStorm, un jeu PS3 les amis, donc là on est vraiment demain en mode retour en mode nostalgie. C'était un des jeux de lancement de la PS3, donc j'ai vraiment très hâte. Et puis après, bah, je vous tiendrai au courant pour samedi, savoir ce qui se passe. Même si la Nocturne au Hub est annulée, on fera quand même un petit stream le soir. Et puis voilà, mais MotorStorm, ça va être cool, je pense, ouais. Je me rappelle quand t'avais voulu y jouer. Bah ouais, je pouvais pas, là ça y est, j'ai testé, je peux.
Je peux, donc voilà, sois prudent sur la route mon Chris Crash, pas de bois. Non t'inquiète, y'a pas de bois, t'as monté l'imar. Merci en tout cas à vous les amis, prenez soin de vous. Et puis bah nous on se donne rendez-vous dès demain 20h pour un nouveau live. Et puis voilà, et puis bah prenez surtout soin de vous et passez une bonne fin de soirée. Salut à tous.